Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, la semaine dernière, on a vu une séance push à la maison avec une paire d'haltères, donc une lourde et une légère, et un banc. Aujourd'hui, on va faire la même chose, mais sur le dos. Donc, on va faire une séance pull, donc dos, biceps, arrière d'épaule, avec deux paires d'haltères, une lourde, une légère, et un banc. Et on attaque tout de suite. Fin de l'échauffement, on attaque la séance. Alors, au niveau de l'échauffement, comme vous avez pu voir, j'ai essayé de travailler, d'échauffer les épaules, les biceps, le dos et l'arrière des épaules, donc les muscles qu'on va travailler. Et on commence la séance avec du tirage bûcheron unilatéral. Je viens de faire deux séries, donc une à 15 kg, l'autre à 25 kg. Et seulement maintenant, je vais faire ma première série de travail à 35 kg. Donc comme d'habitude, on fait un échauffement global. Ensuite, on enchaîne avec une ou deux séries d'échauffement sur l'exercice qu'on souhaite faire. Et après, seulement après, on attaque la séance. Fin du premier exercice. Donc bûcheron plutôt lourd sur du 6, 8 à 10 répétitions maximum.
Donc là, j'ai fait 3 séries. Maintenant, je vais enchaîner avec le double rowing halter qui ressemble vachement au bûcheron. Vous savez, c'est le tirage où on est buste penché. Sauf que cette fois-ci, avec bien moins de poids pour faire 20 répétitions. Et on est parti pour le deuxième exercice. Série sur le rowing buste penché halter. On vient de finir le deuxième exercice. KO technique, on va enchaîner avec un petit superset pour l'arrière de l'épaule. Donc sur la suite, on aura le tirage, mais cette fois-ci tirage large, d'accord, et enchaîner avec l'oiseau. Donc, buste penché. Comme vous avez pu voir, l'oiseau, je le fais un peu, donc, ici, vers l'avant et non pas vers l'arrière. Pourquoi ? Pour venir accentuer le travail sur le trapèze, vu que j'en ai pas. On va le faire en position assise, comme ça, on évitera tout balancement. En tout cas, on va diminuer tout ça. Pensez à prendre une charge lourde pour le tirage large et une charge légère pour l'oiseau, car sinon ça ne passera pas. Fin de ce petit enchaînement, il nous en reste un enchaînement. Ce sera le curl biceps supination enchaîné avec le curl biceps prise marteau.
fin de la séance pull à domicile avec haltère. Donc on a fait le tirage bûcheron unilatéral, on a fait le rowing haltère, donc plus léger, on a fait l'oiseau enchaîné avec le tirage large, buste penché, et ensuite on a fini par le curl biceps supination et alterné avec le curl prise marteau. Franchement, testez cette séance et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour la séance jambes à domicile avec une paire d'haltères, donc dimanche 19h. Soyez au rendez-vous.